Salut tout le monde, c'est Kiwi. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo donc sur eh bien Watch Dogs 2. Voilà, let's go. Alors, recherche. Apparemment, j'ai de la recherche à faire. Voilà, la dernière fois pour info. Oh, pendant 15 minutes 17. Oh, on est vite là. Voilà, la dernière fois pour info, on avait perturbation. Ça peut être bien ça, non? Neutralisation automatique, qu'est-ce que c'est ça? Ah, pas mal ça. Voilà, on va le prendre. Voilà, on avait débloqué le quadricoptère pour info. Oh! Ces trucs-là, on commence à en avoir. Hein. Donc, ça me paraît pas déconnant que je puisse pirater un peu ces petits robots à la con, là. Plantage de masse des systèmes. Ah, ok, donc ça, je peux pas l'avoir encore. Arrêt des systèmes de sécurité. Ça doit être pour les caméras, non? Ouais, pour les caméras et et ces petits trucs. Ça peut être intéressant aussi. Après, par contre, est-ce qu'il capte, par contre, quand j'éteins, en fait? À voir. C'est quoi ça? Doter le quadricoptère de capacités de scan améliorées. Les PNJ sont signalés à travers les murs lorsque vous contrôlez. Ça peut être intéressant parce que je pense que je vais utiliser le quadricoptère un peu plus. Un peu plus. Ouais, je me dis le quadricoptère là. Je vais peut-être l'utiliser un poil plus. Donc écoutez, on va voir. Hein. Donc là, qu'est-ce que j'ai? Joie du malheur d'autrui. Je sais pas lequel prendre en vrai. Parce que je me dis peut-être que l'opération principale, ça me ferait gagner des trucs. On va un peu, voilà, nouilles molles. Retrouver Ray au Hacker Space, pardon. Avec Raymond Kennedy, Kenney, pardon, de notre côté, on a un gros atout pour tenir tête à Bloom. Apparemment, Ray et Sitara ont déjà prévu la première étape. Écoutez. Bah donc elle est là-bas. Hein. Ah, en plus on est juste à côté donc. Ok, bien parfait en fait. Hein. Ça c'est bueno. Hein. Ça c'est bueno. Ça me plaît ça. Alors, faudrait qu'on voit aussi les sites scoutiques cela un peu ce que c'est là. Et comment est-ce qu'on les gère? Parce que c'est vrai que. Attendez. Non? Ok. Je pensais que j'avais un truc qui tournait encore là. Attendez, on n'a jamais fait ça là. Faire des achats. Qu'est-ce qu'on peut acheter? Ah ok, on achète du coup des hauts et compagnie. Est-ce que j'ai débloqué des choses un peu là? Allez, on va se mettre ça, les gars. On va se mettre ça. On va se mettre aussi premium. C'est quoi ça, premium? Ah, ok, c'est. Ok, c'est. C'est avec du vrai argent, apparemment. Une sacoche? Qu'est-ce qu'on peut avoir un sac? J'ai pu acheter. Ok. Un pantalon, j'ai pas grand-chose, hein, quand même. Ici, là. À part ça et ça, il y a que dalle. Une casquette, peut-être? Allez, voilà, on va lui acheter des choses, voilà. On a de l'argent, autant en profiter. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez de son nouveau look. J'aille là-bas, du coup. Ah oui, je me rappelle de lui, là. Yo, T-Bone. Je suis prêt, mec, je suis chaud. Non, sérieux, mode activiste. Activation. Alors, comment on va niquer Bloom? Doucement, respire un peu, garçon. D'abord, ça va pas être facile d'arriver jusqu'à Bloom. Même avec mon maître. Ray, tu le briefes pas sans moi, j'espère. On était censé faire ça ensemble. Non, non, c'est juste que je voulais pas te déranger. Me déranger? Tu rigoles. Allez, Marcus, on va te briefer. Prendre son suite, je le kiffe. Hein. Ok. Alors. Prenons le principal collecteur de données, c'est-à-dire notre copain Noodle.
à chaque recherche, que ce soit des chaussures pour connasses ou du porno mexicain, ils en savent un peu plus sur nous. C'est les bases du profilage, ça. Ouais. Sauf que ce que tu sais pas, c'est que Bloom a d'ores et déjà mis la main sur ces fameuses données. Ah ouais. Putain, c'est bon ça, Citara. Les données de Noodle permettent à Bloom de renforcer le Bellwether et leur contrôle sur leurs marionnettes. Si on arrivait à les récupérer, on pourrait attaquer plein de cibles différentes. Là-dessus, je peux aider. Tu peux pas pirater Noodle à moins d'accéder au parc de serveurs. Et tu peux pas y accéder sans autorisation. Tu peux même pas entrer sur le campus si tu bosses pas là-bas. Comment tu crois que l'autre comic, là, il obtient ces informations? Allez, dis-moi que tu y as accès. T'es fou, je suis obligé de la jouer discret. Il y a un de mes leads qui veut pas me lâcher en ce moment. Je suis sûr que Marcus pourrait passer pour un employé. Oh, il pourrait même faire encore mieux que ça, Citara. Raconte-lui ce que tu m'as dit, Horatio. Les Noodle Bus. J'ai chopé un exploit pour l'identification. Je t'amènerai au bus. Tout ce que t'as à faire, c'est monter à bord. Ils penseront que t'es un des chauffeurs. Putain. Mortel, vas-y, on y va. Ok. C'est parti. Hey. Ben, allons conduire un petit bus, apparemment, hein. Comment on sort d'ici? Ah oui, là-bas. À chaque fois, je me perds. Ah ouais, c'est là-bas. Ok, on peut pirater ça. Les opérations du Dead Sec d'origine à Chicago étaient coordonnées. Tous les membres travaillaient vers un même objectif. À ce qu'on raconte, le collectif était dirigé par un groupe secret, le Conseil des Daves. Je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui donnait le cap. J'ai fait pas mal de recherches sur eux, j'ai même participé à 2-3 de leurs opérations. Je voulais faire comme eux, voir ce qui marchait pour l'appliquer après chez nous. Sauf que les membres de Dead Sec San Francisco auraient pas pu être plus différents les uns des autres. S'il y avait un éventail qui allait de l'anarchiste à l'activiste, je pense qu'on le couvrirait entièrement. Mais il y a un truc qui nous unit, c'est qu'on a tous des raisons de détester les Big Data, et plus précisément Bloom et son CTOS. Superviser nos opérations, fait en sorte que nos gars se retrouvent là où ils doivent être avec les outils dont ils ont besoin. J'ai des yeux et des oreilles un peu partout. En gros, j'ai allumé la mèche. C'est plus qu'une question de temps avant que Bloom ressente l'explosion Dead Sec. Le magasin de fringues, il est où là? Il est dans la rue d'à côté, je suppose. Et donc j'ai fait tout ça pour rien. C'est ça qu'on est en train de me dire. Putain, elle est bien cette bagnole, hein, en vrai. Elle est bien. Putain, mais il est où ce foutu magasin là? Ah, c'est là? Désolé. T'es, je suis un boulet, je pouvais rentrer par là, en fait. Tes parents, ils seraient pas frères et sœurs. Ok. Putain, prêt le gamin. C'est parti. Ah non, vas-y, je vais... Eh, je viens d'acheter mes fringues, putain, faut pas que je les recharge. Oh non. Ah, non, c'est bon. Prends le bus Noodle, il est où? Ah, je veux bien, hein, mais... Ah, il est à 500 mètres là-bas? Ok, bah écoute, on va prendre cette voiture, hein. Viens là, copain. Non, tu veux pas rentrer dans la bagnole, par hasard? J'ai pointé pour toi au parking. Le conducteur le laisse là tous les jours pendant qu'il prend son café. Super. Bon, que ce soit clair dès le début. Je suis désolé pour tout ce que t'es sur le point de découvrir. Tu déconnes? Je vais enfin pouvoir rencontrer ton alter ego, Horatio Carlin, codeur d'entreprise. C'est putain. C'est marrant, pourquoi j'ai l'impression que c'est pas une bonne idée? T'inquiète, je serai sympa avec toi. Allez. Nickel, on y est bientôt là. Regardez-vous, vous vous croyez tellement supérieur, tellement... Ouais, ça, ta gueule. Police, précisez votre urgence, s'il vous plaît. Ouf, c'est bon. Je crois que j'ai piraté le...
Coéquipier trop loin, mais rejoins-moi, Marcel. On a qu'à se cacher ici, les gars. Tant que les flics retombent, et puis on est bien. Il est stylé, le bus, en vrai. Il est sympa, le petit bus. Putain, franchement, ils sont bien. Hein. Ok. Voilà. Bon, il est où, le GPS? Eh, hey, vas-y, reste assis. C'est bon, je vais trouver, ok? Ok. Voilà. GPS, je sais où il est, le GPS. Non, non. Ouais, voilà. C'est bon. Ok. Donc là, du coup, il y avait un smartphone dans le truc. Terminer le trajet, bah écoutez. Voilà, moi je dis, les gars. Et franchement, il se conduit bien. Oh, attends. Alors, voilà. Je veux dire, au bout d'un moment, même si on a besoin d'argent, les gars. Tiens, pirater. Je peux le pirater, lui. Je sais pas pourquoi je devais le pirater, lui. $800? Ouais, j'ai une voix de bus et tout, quoi. Ah, j'ai une voix de bus, hein, moi. Trop bien! Bonjour, comment ça va? Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Salut, comment ça va? Bien, Gary. Salut. Salut. Et personne... Bah, après, tu me diras, c'est une grosse entreprise... C'est vrai qu'il est possible que les gens ne se connaissent pas. Premier dans le les gars, mon téléphone vient de se faire infecter. Je me suis levé tôt. Ouais, et donc, depuis que je prends des jus, ça a trop changé ma vie. Désolé de te contredire, mais là, on dirait que c'est le virus zombie 2. T'es au courant qu'il a conçu le premier virus zombie? T'as pas essayé mes jus. Je t'assure, ce qui compte, c'est la pulpe. C'est ça, la partie saine. Si tu bois que le jus, c'est que du sucre, en fait. Ce qu'il faut faire, c'est des smoothies. Tu les blindes de fruits, légumes, super fruits. Des super fruits. Quoi, le virus? Ouais, les bêtes goji, la racine des macas, ce genre de CityOS mobile. Encore plein de choses. J'arrive à voir certains téléphones qui ont été infectés avant le mien. Je pourrais peut-être identifier la source si je remonte des aliments sains. Tu peux pas nier ça. Ce qu'ils recherchent, déjà, les bêtes goji. Tu peux isoler le virus sur une machine virtuelle. Ça me ferait bien plaisir. Le prend pas mal, hein. Mais c'est juste un terme marketing conçu pour berner le consommateur. Oups. Oh, c'était chiant là. Il y avait deux dialogues en même temps. Marcus, il y a des fois où j'ai trop envie d'être à ta place, faire ce que tu fais sur le terrain. Mais voilà. Merci, mon pote. C'est dingue comment ils s'y croient, tous ces bouffons. Moi qui pensais que les employés de Bloom étaient graves. C'est vrai que c'était un peu chelou, là, d'avoir les deux dialogues en même temps. Ça faisait une cacophonie dans les oreilles, là. C'était pas agréable, ça, pour le coup. Bon, au final, voilà, on joue à Bus Simulator, là, les gars. En tout cas, ils ont pas l'air de chouiner si je conduis mal. Ça, c'est plutôt une bonne... plutôt une bonne nouvelle, pour le coup. Point de recherche découvert. Ah, ok. T'imagines, toi, t'as un conducteur de bus, t'as un chauffeur de bus comme ça dans la vraie vie. Je pense que tu prends peur, hein. Là, je vais ralentir puisque. Oh, le bus il freine bien, hein! Je vais. Oh, attends, toi, vu le quartier, tu dois être pété. Putain, pas eu le temps d'aller lui prendre ses thunes. Ah, je suis deg! Je suis deg! Salut! Salut! Arrête de défendre d'être sec! Je les défends pas! Bah, si! Tu t'en prends aux victimes alors que c'est des secs! Vous êtes resté. La vie est belle. J'ai l'impression en fait qu'on entend les conversations des mecs. Et la bouffe qu'on s'est fait livrer était dégueulasse. Du bus, mais putain, c'est tu horrible. Sais, le nouveau restaurant de sushi là. Bah, laissez surtout pas. Leur sauce soja, elle a juste pas de goût. Et bah, moi, mes makis au thon, ils étaient juste. What the fuck? Parlez pas de bouffe, je vais avoir faim. Hein. Ils étaient juste fades. Oups. Spectacle. Oh, qu'est-ce que tu fous, nom de Dieu?
Oups. Oh putain, c'est vraiment juste, trop nul. Vraiment juste? J'en connais qui sont vraiment justes. Chut. La bande le... Tiens, ouais, carrément, ils ont vraiment des navettes. C'est bueno, ça. Ah, je kiffe mon sweat en vrai, là. Tu suis ta capuche, là? Putain, je stresse trop, là. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Y'a personne comme nous. Eh ouais, bienvenue dans la Silicon Valley. Eh. Tu sais comment on appelle un black entouré d'un millier de blancs? Vas-y. Monsieur le Président. Non mais mec, si on ouvre ensemble, ils vont penser qu'on prépare un coup, là. Et on prépare un coup. Ouais, justement, peut-être que le but, c'est pas de se faire capter comme quand on prépare un coup. Suivre Horatio, ben, ma foi. Obtenu que d'accès, très bien. Je sais pas du tout comment je l'ai. Putain, je me sens tellement... pas à ma place. Vis ma vie de black à la Silicon Valley. En tout, on est quatre à bosser ici. Trois mecs et une nana. On a même notre liste de diffusion. Ouais, c'est chaud. Mais bon, c'est super important ce que vous faites. Vous faites évoluer la vie en méga-entreprise. Tu peux pas savoir ce que c'est que la vie en méga-entreprise tant que tu t'es pas retrouvé le seul black dans une réunion à devoir représenter toute la négritude. Putain. Si en vrai, stylé leur truc. Qu'une pièce à chaque fois qu'on m'a félicité pour mon niveau d'élocution. Bon, il est où le parc de serveurs? Ah, pas ici. Oh, vas-y, stylé. Tout se trouve en dessous du bâtiment de Noodle Map. Tu vas avoir besoin d'un autre niveau d'autorisation pour y accéder. Les managers à l'étage du dessus devraient pouvoir t'aider. Lance le hack du Noodle personnalisé. Les managers à l'étage du dessus devraient pouvoir. Non, moi je vais faire des achats, les gars. Genre, on peut acheter des. Des petits trucs comme ça et tout. Ah, une tuerie. Genre ça, c'est la couverture parfaite si tu veux te faire choper direct. Et vous pensez qu'on peut jouer à ça, hein? Attendez, est-ce que vous pensez que... Attendez. Est-ce que je peux monter ici, vous pensez? Attendez. Est-ce que je peux faire du toboggan, les amis? Trop génial. Ah, j'imagine trop le mec en mode « Merde, je suis en retard !» Et boum. Trop bien, quoi. Les managers à l'étage du dessus devraient pouvoir t'aider. Lance le hack du bus en boucle sur un d'entre eux. Bien. Je kiffe, les gars. Tu veux un café? Non, ça va. Prends un jus pomme-grenade, alors. C'est vraiment délicieux. T'es tellement gentil, Horatio. Merci. Ok, nickel. Ah, ça va, ils sont bien quand même dans l'entreprise. Brody. Grosse journée aujourd'hui, hein? Je suis impatient, pas toi? Tu sais, tu pourrais nous dire ce que tu as fait dernièrement. Les recherches que tu as faites, les gens... Je vais juste me faire un café, espèce de fils de pute. Excuse-moi? Je vais juste me faire un café. Ouais. Ouais, ok. Je suis sûr que t'auras plus de choses à dire au RH. Savoure ton café. Attention! T'es nouveau, toi? Ouais. Pouf, j'aimerais trop lui éclater sa gueule. Je peux plus l'encadrer, ce fils de pute. Salut, Becky. Messieurs. Il est sur mon dos depuis le jour où je suis arrivé. Et là, il vient de me dire que je vais devoir aller parler au RH. Tu crois qu'il sait quelque chose sur toi? Tu sais le nombre d'années de prison que je risque là? Une fois que je serai dans le parc de serveurs, je pourrai tout effacer, ok? On te protège. Tu vas pas aller en tôle. Je te tiens au courant. Ok? Ok. Bon. Ok, Ah, j'avoue, le mec, ça a l'air d'être un vrai con, quand même. Ah, mais attendez, maintenant, je peux pirater ces trucs, là. Comment je fais pour accéder au serveur de Noodle? Le mieux... C'est via la zone de maintenance des ascenseurs au premier étage de Noodle Map. Mais fais gaffe, c'est haute sécurité. Même moi, j'y ai pas accès. T'inquiète. Oh, attendez, les gars. Oh, attendez, lui par contre, il est pété de thunes. Mon analyse a été interrompue avant la fin. Qu'est-ce qu'il fait ? Bon, faut que j'aille où, là ? Accéder... What?
Oh merde, il est bourré le truc ou pas? Bon, alors attendez. Faut que j'aille. Ou apparemment, faut que j'aille là-bas. Ok, donc faudrait que je sorte du bâtiment en fait. De ce que je comprends. What the hell? Franchement, hey, ils sont classe les bâtiments. Oh, attendez. Apparemment, je peux rentrer par... par ici, là? Apparemment? Oh. Ça peut être bueno, ça. Ok, donc là, il y a des trucs à pirater, à mon avis. Bonjour! Merde. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? J'ai beau être un beau gosse, j'ai l'impression que ça va pas suffire. Je suis choqué. Bon, va falloir que tu trouves un autre passe. Ou un autre moyen d'entrer. Alors, le moyen d'entrée, je l'ai, hein, les gars, c'est... Enfin, je pense, hein. Déverrouiller la clé d'accès, donc ça, faut que je pirate, blabla. J'ai déjà testé la part là-haut, là. Voir si... c'est un petit truc. Ouais, voilà, c'est par ça que je compte passer, mais celui qui est à l'autre côté, là-bas. Par l'autre bâtiment, Attends, je peux pas pirater un petit ordi, là, easy, là? Non? Rien piraté, là, donc, ouais. Après, c'est vide, hein. C'est un peu flippé, quand même, hein. Oui, je me dis par ça là, je dois pouvoir passer. Oh, file-moi ton fric. 70 balles, t'es chaud. Tu es un pauvre mec. Ah, ils kiffent les tuyaux dans ce jeu. Enfin, dans cette entreprise. J'avoue que. Par contre, on dirait pas un peu un truc genre pour des enfants. Genre. On peut jouer aux bornes d'arcade. Ah, franchement, on dirait quand même un peu un truc pour des enfants, tu vois. 40 dollars. Ouais, franchement. C'est des broutilles, ça. J'ai réussi à rentrer ou pas? Je pense pouvoir dire avec certitude que non. Attends, je peux lui faire prendre feu? Ouais, on va tester. What the fuck? D'accord, bon bah écoutez les gars. On va se mettre comme ça, on va voir. Hein. Trouver et déverrouiller. Hein? Trouver la clé d'accès. Bah la clé d'accès. La clé d'accès. Pas de simple cette histoire. Hein. Être simple. Là en fait il va me falloir quelqu'un qui soit bien. Par contre non là je suis pas au même endroit que tout à l'heure. Alors pour la clé, alors est-ce que pour la clé d'accès c'est le machin rouge qu'il y a là? Je vais aller voir un peu ce qu'on a là-bas. Le machin rouge, mais c'est vrai que... Ouais, je viens de voir, c'est pour ça que j'ai appelé. Ton compte est plus supprimé et tous les commentaires ont disparu. Alors on dirait que le problème est réglé. Ah mince, il faut que j'aille là. Je savais que c'était pas toi qui postais toutes ces conneries au nom de Tête Sec, comme si tu savais qui c'était. Mais certaines personnes ont très mal pris les commentaires. Mais bordel. L'analyse est terminée. Ma foi. Un actionnaire. Oh, attendez, là, apparemment, je peux faire entrer. Ouh, attendez. Est-ce que par hasard... Est-ce que c'est cramé si je fais ça? Je me dis, là, je peux peut-être aller là, voilà, dans cette petite zone, là. Oula. Ça, je peux le pirater, ça, les amis. Alors, lui, il faudrait que j'arrive à le... Oula. Lui, il faudrait que j'arrive à le buter, en fait. Attendez. On va essayer de le faire avec ça, les gars. Peut-être que je vais pas me faire choper par le... Par le bonhomme, hein. Ah.
Je vais me recacher un coup. Ouais. Là, du coup, j'ai un truc à faire là-haut, là. Qui vient donc tout là-bas. Attendez, je vois rien avec cette vue, là. Je peux pirater ça, du coup, non? Ah ouais, c'est bueno ça, parce qu'en vrai, du coup, ça veut dire que je peux rentrer dans la pièce et liquider le bonhomme, hein, du coup. Hein. Donc là, du coup, ça va là. Blablabla, bla, bla, ça va là, ça va là. Pirater, donc je peux pirater ça, ça c'est un boîtier. Ça, je peux l'ouvrir, du coup. Est-ce que c'est une zone... Ouais, ça, c'est une zone interdite au public, ça. Ça, c'est une zone interdite au public. Après, en vrai, j'ai quoi dedans? J'ai une garde ici. J'ai un garde ici. J'ai une garde ici que je pourrais liquider, vous voyez ce que je veux dire? En mode comme ça. Tu vois? Oh merde, là-dedans il y a deux gens. Ouh. Ah tiens, j'aurais pu le liquider comme ça en fait sans me faire voir. Ah, il est plus de thunes. Mais... un truc à pirater là, les gars, mais... Est-ce que y en a un que je peux... liquider en mode... direct. Moins de chance que moi. Ok, donc lui il s'en fout en fait. Ok. Ah, mais ils s'en foutent en fait. Ah, bah tout s'explique alors. Ok, donc là j'ai eu la clé d'accès. Bon, moi, maintenant c'est madame Laura Kim. Comment on fait pour entrer chez nous de le map? Si t'as son badge, normalement t'as juste à pousser la porte. Ok. Donc maintenant, en fait, je retourne du coup là-bas. Par là où je comptais passer. Ok, ok, ok. Très très bien. Bah faisons ça, hein, ma foi. Oh non, un agent s'est fait tuer. Oula, oula. Comment ça, un agent s'est fait tuer? La sécurité est ultra élevée chez Noodle Map. Alors fais gaffe. T'inquiète pas, je suis Laura Kim quand même. Donc là, c'est-à-dire que là, je peux passer maintenant, c'est ça? Okay. Donc ça veut dire que maintenant je dois pouvoir aller Ratio, il y a des ascenseurs. Est-ce qu'ils vont à la salle des serveurs? Oui, mais pas toi. Reconnaissance faciale, c'est du haut niveau là. Cherche plutôt l'accès de maintenance. Tu sais, comme on avait dit. Ok, ok. Oh, attendez, piratage physique. Qu'est-ce qui m'a chopé d'ailleurs là? Qu'est-ce c'est qui a vu que j'étais entré dans une zone dans une zone pas correcte là? Peut-être quelqu'un qui m'a chopé. Qui m'avait vu sur le côté, peut-être que... On va vite sortir d'ici, je te le dis, moi. Ensuite, ici, donc. Ça va là-bas, ok. Oh, attendez. On a l'air de pouvoir monter par là-bas, là. Ah, mais c'est une zone restreinte, encore, cette histoire. Ça, c'est une zone restreinte, monsieur.
Bon, je vais faire ça, hein, puisque de toute manière... On va voir un peu ce qu'on peut avoir. Ok, donc là, on a l'air d'avoir une caméra ici, là. Qui nous permet de monter tout là-haut. Ok, donc ça, attendez. Ben, ça, en vrai, vous savez quoi? Je vais le cut pour pouvoir... Pour pouvoir rentrer... Rapido Pepito. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est que là-haut, il y avait des mecs, fut un temps. Okay, donc là, j'ai le droit, du coup, d'être là. Okay. Ça me va. Est-ce que... Surtout, prends ton temps, hein, mec. Au calme. Stresse pas, mon ratio. Par je suis contre... presque à la cage d'ascenseur. Ok, donc là, je suis pas capté. Ok. Et là, j'ai besoin de quoi? D'un terminal pare-feu. Ah bah super, hein. Donc je pense que ça va être dans un de ces trucs là-bas. Je suppose, hein. Qui est-ce qui fait ça? À moins que ce soit lui, peut-être, qui puisse me donner... donner ça, ou alors que je puisse passer par en haut. Mais je pense plutôt que c'est par là, là, que je vais pouvoir y accéder. Oh, attendez, là il y a quelqu'un là. Pourquoi est-ce que je voudrais être là en fait? Je sais pas. Je sais pas trop pourquoi je voudrais être là pour être honnête, mais. On va réutiliser ça. Eh, franchement, chez eux, c'est méga bien, hein, mais. Blip, blip. Ah putain, ok, il y a ces trucs à la con là. Attendez, je pense qu'il faut que j'aille là-bas. Balayage du secteur terminé. Ok, donc là, lui, on l'éteint. Hey, hey, toi là-bas. Oh non, oh non, oh non. Putain, mon truc a été trouvé. Bon, on va se mettre là, nous. Hein. On va faire style, les amis. On n'est pas du tout... ah, putain, il n'y a pas de caméra. Voilà, le temps que mon truc se mette... Donc lui je l'avais éteint. Apparemment il faut que je pirate un petit truc là. Est-ce que toi t'aurais pas une clé monsieur? Ah, attendez les gars. Là, je me dis si je peux en down 2 d'un coup, les gars. Sérieusement? Sérieusement, mec? Agent éliminé. Tire à volonté. Ah, recharge de botnet, ça c'est bien. Par contre, les gars, je sais pas trop comment faire pour pirater quelque chose là, hein. Point d'accès, une grille. Parce que là, je pense que ça doit être par là, mais... Ah non, c'est là, en fait, ok. Piratage physique, ou oh, attendez. ok, donc faut que je vienne là, les gars. Ben là, y a pas le choix. Hein. Oh, attendez. Sache que nous ne faisons rien de plus que ce qui est autorisé lors des recensements. Notre activité consiste à allier à intelligence artificielle, apprentissage de machines et base de données, l'analyse des tendances et de modèles à des fins d'amélioration du système et pas de l'espionnage. Ouais, vite fait quand même. Les gars, le robot, il est totalement totalement fumé, là, les gars. Le problème, c'est qu'en fait, j'aimerais avoir un mec, vous savez, que je peux pirater et
Ouais, putain, là, c'est le bordel, les gars. Parce que là, je pourrais y aller en mode bourrin. Synthétiser et intégrer le futur. Mais c'est l'essence même de Noodle. Nous ne faisons pas que gérer le changement. Nous sommes le changement. Au niveau macro, micro et moléculaire. Nos clients, nos utilisateurs, ne sont pas que des données à agréger, mais des ressources à exploiter. Quoi que. La participation des consommateurs n'est pas qu'un marché, mais un lien avec ce que nous sommes. Tous, développeurs, designers et utilisateurs, nous partageons le même dessin et le même objectif. Ok, donc là je suis dans un endroit, je sais pas si je suis au bon endroit là pour le coup. SteelOS ? Ouais, il a l'air plus bas le truc. Est-ce que je... Ouais, mais si je saute, je meurs, non ? Ouais, comme prévu, si je saute, je meurs. Putain, pas facile. En vrai, bon, il y aurait une solution, hein, les gars, c'est que j'y aille en mode gros bourrin. Ah. Ah oui, alors ça, c'est gênant, par contre. Je suis bloqué ici, maintenant. Ah! Ouais. Très bien. Très bien, très bien. Ah, attendez. Alors ça, je peux peut-être le faire baisser, non? C'est bon. Je suis à l'ascenseur. Horatio? Il a arrêté d'émettre. Attends, j'essaie de le localiser. Voilà, je pense que là, je suis bien, là. Ok, donc là, je suis au bon étage, apparemment. Tiens, c'est quand même un casse-tête, ici. Hein. J'ai le droit d'être là, ou... Parce que là, ça me paraît quand même... un petit peu... Citara, je suis Keblo. Il me faut le code d'Horatio pour entrer dans la salle des serveurs. Tu l'as retrouvé? J'ai ses coordonnées, mais il répond toujours pas. Je te les envoie. Oh là là. Ok. On a tout ce qu'il faut comme preuve pour te virer. Je veux juste l'entendre dire. T'imagines pas à quel point j'ai envie que t'admettes avoir joué au con. Bon, écoute, j'ai pas envie de jouer. Ah. Putain. Non, mais c'est pas vrai. Je le prends. Non, on touche pas. Laisse ça tranquille. Ok. Il va s'arrêter tout seul. Ok. Hein? Mais. Comment? Oh, le petit robot, les gars. Qu'est-ce qui coûte cette merde en plus? Putain, mais c'est n'importe quoi, là. Les gars de l'informatique ont intérêt à se bouger. Ouais, visiblement, vous avez connecté tout le bâtiment au même réseau jusqu'à ce saleté de jouet. Vous pouvez m'arrêter ce cirque? Ouais. Ouais, c'est ça, je vais vous dire. Arrêtez de vous excuser. Et faites votre boulot correctement la prochaine fois. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, les gars? Tu crois? Ok, là-bas, ouais. Ah. Je ne comprends pas. Cool. Ah, ok. Tiens, c'est pas simple en vrai. 43 778. J'espère que je vais le retenir. Hein. Monsieur Carlin, je vais vous demander de bien vouloir me suivre. Ok, donc ça c'est bueno, ok, alors je pense... Tiens, ça c'est vraiment pas facile, hein, les gars.
Là, on voit qu'on est monté d'un... Ah, ok, bon, je vais même pas m'en rappeler. On est vraiment monté d'un cran... T'es le meilleur, Horatio. Ça va le faire. Ah! Alors... terminer la passerelle... Oh, putain. Attendez. C'est quoi le truc, là? Bleu. Et donc là, il y a une histoire de passerelle à voir... Peut-être quelque chose à faire dans cette zone là, je sais pas. Hein. Peut-être, je sais pas, peut-être quelque chose à faire ici. Je pense que tout est à faire pour rentrer là-bas, hein, mais on ne sait jamais. Bah écoutez les gars, on va terminer la passerelle réseau hein, dans ce cas-là. Hein. Alors attendez, donc là ça va là, il y a tout qui a l'air d'aller. Oh. Ah, mais en fait, j'ai même pas besoin d'aller là-bas, en fait. Merde, c'est pas le bon. J'ai pas besoin, au final. Hein. Je gagne de taper tous les serveurs comme ça, et... Et basta, non? Non. Ah, putain, ça aurait été trop beau. y en a pas d'autres, là? Y en avait qu'un? Ok. Ouais, donc en fait, faut que je fasse cam... Ouais, truc par truc. Ouah, quel play, les gars! Ah, j'ai trouvé, je crois. Donc là, maintenant, faut que je fasse la... le truc pour ça. Ok. Très bien. Et ça va où, en fait, tout ça, là? Placer une backdoor. Eh ben, je veux bien, mais comment on fait ça? Est-ce que je peux placer la backdoor d'ici? Attendez, on va regarder ça comme ça. Alors, tout ça va là-haut, ok. Tout ça, en fait, tout est lié, d'accord. Ah, attendez, c'est peut-être ça, en fait, le plan. Ouais, qui déconne ça. Pas avec la sécurité. Oh putain. Alors attendez, là on est là, là on est là, là on est là, on vient là, ta 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 ta. Donc là on tourne ici comme ça, tac, ensuite on vient là. What the fuck les gars? Putain. Ok, donc là j'ai ouvert les trois premiers, mon truc évidemment il est tout au fond hein. Donc évidemment mon truc, attendez. Ben je pense je pense, attendez. Hein. On peut ouvrir tout ça. Ah, ok, c'est bon, c'est ça. Ouais, mais est-ce qu'il aurait pas fallu quand même que je me fasse les autres? Parce que. Au cas où. Alors, je pense pas quand même. Hein. Ok. Comme ça, forcément bon. Forêt, non? Les données de Noodle sont maintenant à tête sec. Moi, je me tire. Mais Horatio est toujours dans la merde. Y a pas moyen de l'aider? Si, on a accès à tous les ordinateurs de Noodle, y compris ceux d'Horatio et de ce Brody, là. Attends, ça me donne une idée. Ah bah vas-y, fais-nous rêver. C'est bon, c'est fait. Allons voir comment ça se passe du côté d'Horatio. Je le sens mal, les gars. Là, je suis dans une zone pas ouf si je me fais attaquer. Hein. De coopérer et j'en suis sincèrement désolée. Je ne peux que vous conseiller de faire appel au service d'un avocat. Oui? Vous avez identifié les frappes? Je vois. Merci. Monsieur Carlin. Je suis... affreusement désolé. Et il semblerait que nous ayons commis une énorme erreur. Je... Eh ben voilà. Toutes mes excuses. Non, non. Vous pouvez partir. Je suis content que ce soit réglé. Oh, non, c'est pas possible, il faut... Monsieur Goodale, asseyez-vous, s'il vous plaît.
Non, je... Écoutez, je pense... Asseyez-vous. Retrouver Horatio, ok. Donc sortons de cet endroit de mort là. Oh putain, c'était tendu. Merde. Horatio ? Yeah, nickel. T'es où toi ? Retrouve-moi devant, au bus Noodle. Ah ouais, le bus Noodle, moi je le kiffe. Comment on sort d'ailleurs ? Non, parce que c'est bien joli, hein. Je sais pas par où je suis rentré moi, donc je rentre par où ? Je rentre par là ? Non, je rentre par là. Si, hey, je suis dans une grande salle climatisée. Une idée pour sortir d'ici ? Affirmatif. Il y a un conduit d'évacuation à l'arrière de la salle. Il devrait te ramener à l'extérieur. Ah bon ? Super, merci. Un conduit d'aération à l'arrière de la salle ? Ok. À mon avis, c'est pas dans cette salle. À mon avis, à mon avis, c'était pas là, hein ? Peut-être l'autre salle plutôt. Ah non, oui, c'est l'autre salle où je suis rentré. Ah, je peux plus passer ? Bah super. Non, bah du coup, si j'ai un truc qui s'est détecté, enfin qui s'est... Je vais regarder si j'ai pas une autre salle là-bas. Mais je pense pas. Non, y a rien. Donc forcément, là, l'endroit... l'endroit où je dois sortir, c'est là-bas, donc punaise, quand même, là, les... C'est, j'avoue que leur sécurité... Après, leur sécurité, bon, elle n'était pas compliquée, au final, à passer. Non, bah, en fait, ok, c'est bien, là. Donc là, apparemment, j'ai un conduit, d'après ce qu'on m'a dit. Écoutez, un conduit... Un conduit de type conduit. Et je suis sûr que vous l'avez vu, vous, direct. Bon, franchement, les gars, il n'y a pas moyen de faire péter un truc ou deux, là. Un conduit. Peut-être par là, non ? Ah, peut-être là. Ah, ouais, putain. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui bouge ? Ah, ok. Oh oui ! Oh oui, je kiffe ça, les gars, les toboggans. Je vous l'avais dit, ça, je vous l'avais dit. Remplacer les frappes d'Horatio par celles de Goodale ? Personne fait chier notre Horatio sans avoir de problème. Pas mal, Citara. Un smartphone. Je prends ça pour plus 4000. Non, un fois. Putain, c'est stylé, quand même. Hein. Connexion. Oula. Oula. Ok, donc ça c'est fait. Maintenant, faut que j'aille à 160 mètres là-bas. Bah écoutez, on va y aller. Hein. Par contre, j'avoue que quand même, ils ont une entreprise. Enfin, ils ont un cadre en tout cas. D'entreprise qui a l'air vraiment stylé pour le coup. Parce que... Ouais, ils ont des espaces verts. Ouais, tu sens que c'est quand même un grand complexe. Hein, parce que genre, t'as les pistes cyclables et tout. C'est un truc de ouf. Faire quoi avec ça ? Franchement, ils ont... Voilà. Après avoir les conditions de travail dedans, mais... En tout cas, tu as l'air d'avoir ce qu'il faut. Je serais même pas surpris qu'ils aient, tu sais, une... Tu sais, des salles de muscu ou des trucs comme ça. Des trucs comme ça, pardon. Comment ça va, le transfert ? Mortel, Marcus. Mortel. Bloom a bien exploité les données de Noodle. Ils leur ont même filé un accès limité à leur contenu. J'aimerais chanter victoire, mais tout ça, ça pue le douchan à 100 bornes. Bloom et Noodle qui coopèrent comme ça, c'est une découverte énorme. Et ça fait super peur. Bon, allez, quoi, Noodle, c'est pas si terrible. Horatio. Salut, Horatio. Hey, amusez-vous, mais gardez-moi des bières, ok, Range ? Là, tout de suite, j'ai du code à... coder. Eh, hey, merci mon frère, merci pour tout ce que t'as fait pour moi. T'inquiète. Mais ça t'embêterait d'y aller là, parce que tu rends les gens nerveux. Mais... Eh, hey, au fait, t'as goûté les pommes grenades ? C'est pas trop bon, franchement. Le mec essaie de nous vendre son truc, tu sais. Eh, franchement, Noodle... À quelqu'un qui dispose d'informations très précieuses.
Elle me fait penser à une femme dans Orange is the New Black. Bon. Dites-moi tout ce que vous savez sur DeadSec. J'aime pas ça, moi. On va faire quoi, là? Mission accomplie. Ben, j'espère bien, mission accomplie. Moi, je vais reprendre le bus. Bon. Qu'à faire, avant? Ah, ok, c'est bon. J'ai pas entendu. Putain, on a pris un petit niveau là. Plus 8 points de recherche. Ah ouais, on est bien là quand même. Stop. Ah, je peux avoir une voiture Noodle. Noodle, pardon. La police, quelle est la nature de votre urgence? Oh merde. Comment on sort de cet endroit de mort? CTOS a confirmé votre position. La police est en route. Oh, mais la police ne chopera pas, les gars. C'est mort, la police, les gars. Putain, elle est bien, cette bagnole. Hein, pas solide, mais rapide. Ah bah je vais aller vendre les objets, tiens, pendant que je suis recherché par la police. Putain, la voiture elle est dans un état. Oh attendez, il y a l'air d'avoir du fric en haut là. Je peux pas sauter là? Je peux sauter là-haut? Non? Ok, ça servait à rien que je monte ici, parfait. Il va peut-être me falloir ah ben voilà. Une échelle ça passe aussi. Ah sérieusement. Bon, bah, utilisons du coup notre bordel là. On va faire ça et après du coup on s'arrête. 12 000 18 000 pardon. Po. Ouais, bah là, on s'en fout là, je peux tomber là-dedans. Oh merde, qu'est-ce qui se passe? Oh, Citara? Josh? Putain, dites-moi que c'est pas ce que je crois. Marcus, tu m'entends? Ouais, c'est bon. Dis, je me fais troller là, notre serveur se serait pas fait hacker par hasard? Tu sais, je crois que tu devrais venir. Ah, bon, on va déjà lui vendre des trucs à lui là. Ouais. Parce que je pense que je peux pas lui vendre des trucs. Ah si, 6800 les objets de valeur, hein. Franchement, ça va. Hein. Munitions pleines. Après, bah, tu me diras, c'est vrai que j'utilise pas trop mes armes ni rien, donc... Revenez quand vous aurez du fric à dépenser. Ouais, t'inquiète, bro. On va prendre une nouvelle bagnole. Parce qu'on sait... Oh bah, justement. C'est quoi ce truc? Vas-y, sors de là. Merci. C'est quoi ça? Un objet piraté ici? C'était trop bien cette année. Il y avait des gens à poil partout. Certains à poil plus que d'autres et certains dont on aurait préféré qu'ils soient habillés. Et il y avait aussi des matchs en cage et de la hard tech. Et plusieurs hackers se sont affrontés sur un défi. Et ils ont fait apparaître une espèce de monstre qui crachait du feu. Ouais, ça, tais-toi. Hey, salut, j'ai le même t-shirt, tu sais. Oh, la drague toute pourrie. On se connaît, non? Ouais, c'était à la soirée, non? La soirée... Je me souviens pas de tout. Ouais, je comprends, ouais. Et tu fais quoi, là? Je travaille sur un programme pour les nouveaux distributeurs de billets du CityOS. Ils ont plein de nouvelles fonctionnalités qu'on va pouvoir détourner. Ça te dirait de tester? Carrément, ce serait top. Envoie-moi tout ça. Super. Je m'appelle Kali, au fait. Moi, c'est Marcus. Je sais, on s'est déjà vu. Ah oui, c'est vrai. Ok, donc apparemment, là, j'ai chopé un truc... Bon, on dirait que je vais pouvoir tester l'exploit de Kali pour les distributeurs du CityOS. Ah, tu vas pouvoir mater les gens, c'est bien ça. Surtout pas en dessous. Sois pas What débile, Reg. On va utiliser ça pour emmerder ceux qui pensent qu'au fric. Ou pour aider les opprimés. Ouais, on va surtout voir si j'arrive à comprendre le truc, déjà. Oh, mais les amis! Ici la police. Quelle est votre urgence, s'il vous plaît? Nous, on va s'arrêter là. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Hein. Au final, on est resté que chez Noodle.
Mais bah ça valait le coup parce que, pour être honnête, ça fait du... Mine de rien, c'était quand même... eh bien, assez... assez intéressant, je pense. Et puis voilà, bon ben les amis, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!